Dire que l'UFDG est le parti politique guinéen le mieux implanté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Guinée n'est pas une déclaration hyperbolique ou encore un discours intempérant. En plus de ses nombreuses contributions financières, matérielles et humaines, la Fédération UFDG d'Angola, sous le leadership de son secrétaire général, M. Mamadou Moustapha Diallo, vient de doter le parti d'un siège flambant neuf à Luanda. C'est Lo Dalain Diallo, président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, a procédé ce samedi 5 mars 2023 à l'inauguration du 10 siège qui s'ajoute au patrimoine matériel du parti. Il s'agit d'un édifice R+3 bâti sur une superficie de 357 mètres carrés compartimenté comme suit. Un rez-de-chaussée comportant une salle de réunion de 470 places, une salle d'exposition, un magasin, un bureau, un restaurant et 6 toilettes. Au premier niveau, on y compte une salle de réunion de 80 places pour le bureau fédéral ainsi que des toilettes, 4 bureaux pour le secrétariat fédéral, la jeunesse, les femmes et les sages. Le deuxième et le troisième niveau, quant à eux, comportent chacun 3 appartements. Un appartement de 2 chambres, un salon, une cuisine et des toilettes. Un deuxième appartement d'une chambre, un salon, une cuisine et une toilette. Et un troisième appartement d'une chambre et une douche. Le président Sélou Dalain Diallo, visiblement satisfait de cet investissement, résultant de la détermination des responsables militants et sympathisants de l'UFDG en Angola, a salué l'initiative de la Fédération d'Angola et la politique mise en œuvre par ses responsables pour l'entretien de ce joyau. Je suis très content de constater que l'UFDG vit activement en Angola. Il y a certes l'effectif des militants de l'UFDG qui sont nombreux, mais ce projet qui vient d'être réalisé n'est pas seulement le résultat du nombre, c'est aussi le résultat de l'engagement très fort, mais aussi des idées, parce qu'on peut être militant, aimer le président, se battre pour qu'il soit à Sekturia, mais ils ont des idées, ils ont construit cet édifice grâce à leurs efforts. Comme on dit, ils sont venus pour faire fortune. On n'en a jamais assez. On a les enfants, on a les parents qui attendent le village. Mais ils ont décidé généreusement de payer pour construire ce édifice, pour marquer leur attachement au parti et leur volonté de contribuer à l'avènement de ce parti à la présidence de la République de Guinée. Je dirais que ce n'est pas seulement l'argent. Il y a eu le génie des gens. Ils ont construit R+3. Ils se sont dit, ouais, mais lorsqu'on construit un immeuble comme ça, il est beau, il faut l'entretenir. On va réserver le deuxième et le troisième. On va bailler ça pour avoir des ressources pour entretenir. Parce que vous savez, nos problèmes dans nos états, on souffre souvent du déficit d'entretien. J'étais ministre des Travaux publics. Lorsque, sous l'instigation des bailleurs de fonds, on a dit, mais on veut toujours construire des nouvelles routes, on n'entretient jamais les anciens. Mais on ne s'enrichit pas. Au moment où on construit une nouvelle route, celle qu'on a construite il y a 10 ans est complètement dégradée, et elle n'est plus praticable, et on a l'impression qu'on s'enrichit parce qu'on a construit une nouvelle route. Non. Il faut d'abord faire de l'entretien de l'existant la priorité, pour donner une valeur à ce qu'on veut réaliser, à l'action qu'on veut réaliser. Donc, la Fédération d'Angola a eu l'intelligence de dire, ça là, ça doit être entretenu. On peut faire l'effort pour acheter les chaises aujourd'hui, pour créer toutes les conditions, mais il faudra payer l'eau, l'électricité, et il faudra nettoyer. Et vous savez, à un moment, dans 2 ans, 3 ans, il y a des choses, une fenêtre qui se gâte. Il faut arrêter. Il faut pas toujours appeler les gens. C'est comme ça que l'UFDG va gérer la Guinée demain. On va anticiper et régler les problèmes. Donc, je félicite très sincèrement
au nom de tous les militants de l'UFDG, la fédération UFDG d'Angola. Parce que s'il n'y a pas un leadership capable de mobiliser, qui inspire confiance, même les gens qui veulent cotiser, ils préfèrent envoyer 1000 dollars au président que d'investir leur argent ici. C'est parce que aussi les gens qui sont là sont dignes de confiance. Je voulais féliciter le fédéral, son trésorier et tous ceux qui ont contribué, inspiré la confiance nécessaire pour que les Guinéens, même les Yéteba, donnent leur argent. S'ils n'ont pas confiance, ils ne donnent pas. Sinon, ils ne donnent pas. S'ils ont donné, c'est parce qu'ils ont confiance à la gouvernance, à la gestion. Et donc, les responsables du parti méritent d'être félicités. Bien entendu, il faut remercier ceux qui ont contribué. Ils ont dû renoncer à d'autres dépenses familiales. Il y a la pauvreté en Guinée, surtout dans le monde rural. Il y a des parents, des oncles, des grands-pères, des grands-mères qui végètent dans la misère. On a le devoir de faire face. Ils font face, je le sais. Je suis venu ici pour vous féliciter, vous remercier pour tous ceux qui ont contribué, de par leurs idées, de par leur épargne, de par leur argent, à la construction de cet édifice. Et je suis fier d'entendre le fédéral dire que c'est pour la Guinée. Je invite tous les partis qui en ont besoin, les partis guinéens, les partis politiques de la CDAO qui sont ici, qui ont besoin à un moment ou à un autre d'espace, de s'adresser au fédéral. C'est pour eux. Toutes les associations de ressortissants guinéens, tous les partis politiques ici présents, de la Guinée ou de la CDAO, c'est pour vous. Nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin de rassembler les Guinéens, de promouvoir la tolérance, la confiance et la fraternité pour mettre fin à la haine, à la violence, à l'exclusion. Nous sommes assis sur un trésor. La Providence a tout donné à la Guinée. Mais tant que nous allons entretenir la haine et la violence, on ne s'en sortira pas. Il faut promouvoir la volonté de vivre ensemble, promouvoir la tolérance, promouvoir la solidarité entre les fils de ce pays. Nous avons énormément de richesses, de potentialités. Et nous sommes pauvres. Près de la population, près de la moitié de la population guinéenne vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est pas normal. Nous avons de l'or, du diamant, de la bauxite, du fer, le meilleur fer au monde, convoité aujourd'hui par toutes les compagnies multinationales. Nous avons de l'eau en abondance. Nous sommes le château d'eau de l'Afrique occidentale. Je suis libéral. C'est un État libéral que le FDG mettra en place. Mais l'État libéral dans une économie sous-développée, c'est un État qui suscite, incite, accompagne et encourage le secteur privé à faire le travail. Lorsqu'on va arriver au pouvoir, on va trouver des formules de réconciliation pour demander pardon à Dieu pour le mal qu'on s'est fait. Pour engager le pays sur un nouveau départ. Nous en avons besoin. Il y a eu trop de morts, d'injustices, de destruction, de biens, de personnes innocentes. Dans le cadre de la répression, des manifestations récemment, mais avant, dans la lutte pour le pouvoir, qu'on mette fin à ça, qu'on soit une démocratie exemplaire, qu'on redonne au peuple le choix de choisir ses dirigeants et qu'on s'accepte que le vaincu soit le premier à féliciter le vainqueur et que la guerre change. Il n'y a pas la guerre. On disait que nous, en UFDG, aime se victimiser. Non, il faut dénoncer les violations des droits humains. Enfin, vous n'allez pas vous taire. Même si c'est un tiers, ce n'est pas vous. Lorsque quelqu'un est victime de la violence ou de la violation de ses droits, nous devons dénoncer.
C'est l'acte que nous dénonçons. Ce n'est pas la victime, sa sensibilité ou son ethnie qui nous intéresse. On dénonce. J'ai exprimé récemment ma solidarité avec un cadre qui était victime de la violation de ses droits. Il dit, mais ah, c'est ton ennemi. J'ai dit, non, mais ce n'est pas lui. Je dénonce l'acte qui est illégal, qui est une violation de ses droits. Merci, mes chers frères. Merci aux femmes. Merci aux jeunes. Merci aux sages.